Hello tout le monde, c'est Elise. Bienvenue à votre séance de Pilates. On est sur une séance bien avancée aujourd'hui. Comme vous le voyez, j'ai mon petit gym ball, donc vous aussi à la maison. J'espère que vous avez choisi une bonne taille. Je rappelle que vos genoux doivent être alignés à vos hanches. Donc si je me mets de profil à la maison, hop, on est là. Si vous êtes complètement affaissé dans le ballon, ça risque d'être un petit peu difficile. Si le ballon est un petit peu trop haut, ça peut aller encore. Mais vraiment, la taille, ça joue beaucoup pour tous vos exercices, pour être le plus confort possible. Même si, comme je vous l'ai dit, on est sur une séance avancée, donc plus d'engagement, plus d'intensité sur ce cours. C'est parti, on va travailler l'ensemble du corps. Je vous souhaite une bonne séance. On commence donc ici en position assise. Vous avez tout de même votre tapis. On va placer nos pieds largeur du bassin. Voilà, vous allongez dans votre colonne, vous relâchez les bras et on va enrouler une fois les épaules vers l'arrière. Ok, super. On va se prendre quand même un petit temps pour retrouver notre centrage, placer la respiration costale que vous connaissez maintenant, j'espère bien. Donc 5 respirations, inspirez, ouvrez les côtes. Expirez par la bouche et plaquez le nombril vers la colonne. Et tu reprends, tu inspires sans gonfler ton ventre, juste les côtes. Et tu expires. Encore, inspire. Expire, imagine comme une ceinture beaucoup trop serrée autour de ta taille. Viens la resserrer d'un cran à chaque expire. Les deux dernières, inspirez. Expirez. Et toute dernière fois, inspirez, expirez, votre centrage périnée transverse est en place, vous êtes bien engagé, bien tenu et vous allez voir que dans tous les cas, si vous oubliez d'engager votre petit ventre, ce sera beaucoup plus difficile puisqu'on va bien travailler l'équilibre, c'est vraiment l'objectif de cette séance avec le ballon. Il va peut-être y avoir des petites chutes, voilà. Dans tous les cas, on ne tombe pas de très haut à la maison. Mais ça passe par ça, c'est un apprentissage pour apprendre nos exercices. Allez, c'est parti. Ici, vous allez inspirer, monter les bras vers le ciel, étirer dans la colonne. Et expirer, relâcher. À nouveau, inspirer. Et expirer. Imaginez que l'air est palpable. On vient le récolter dans les paumes de main. Et là, hop, on presse de chaque côté. Super, une dernière fois. Et on expire. Inspirez. Et à l'expire, tu vas twister maintenant à droite. Expirez. Garde les hanches face à moi, les pieds bien à plat. Et c'est que ton buste qui s'ouvre. Et reviens au centre, inspire. Expire à gauche. Encore. Et c'est le moment aussi un petit peu pour toi d'observer déjà un petit peu comment est réparti le poids du corps sur ton ballon. Comment tu te sens au niveau de l'équilibre. Allez, une fois de chaque côté. Pense toujours à bien rentrer ton nombril, dernière fois. Là, le but, c'est de chauffer un petit peu nos bras, nos épaules. Et revenez face à moi. Super. La main droite sur le ballon, le bras gauche qui monte vers le ciel. Inspirez et expirez, tu vas incliner ici. Donc, tu laisses glisser ta main et tu tires l'autre. Voilà, ouvre. Allonge, allonge, allonge dans la taille. Et change de côté. À nouveau, inspire. Et expire. Et tout doucement, revenez. On termine simplement ici. Tu vas espacer un petit peu plus les pieds. On va entrelacer les doigts dans le bas du dos. Inspire, ouvre la poitrine, serre les omoplates. Et à l'expire, on va plonger. Tu creuses le dos. Et tu relâches complètement la tête vers le sol avec tes bras ici qui t'accompagnent.
Dernière fois, inspirez. Et expirez, poussez dans les pieds et déroulez vertèbre après vertèbre. Bien. Ok, on est prêt? Allez, on démarre. Resserrez les pieds, largeur du bassin. On commence avec un travail d'équilibre, bien évidemment. Vous allez ici placer les mains au niveau des hanches. Allongez le dos. Mettez en place votre centrage. Et de là, on alterne. On vient décoller pied droit. Et je redépose. Et pied gauche. Et redépose. Juste ça hein, pour commencer. Voilà, donc cherche pas à aller très très haut, juste à transférer le poids du corps sur le pied qui est au sol pour sentir un petit peu ton équilibre. Et tu redéposes, c'est ça. Très bien. Super. Donc ça bouge un petit peu, c'est ok. Mais grâce à la force que vous avez installée au niveau du centre, ça tient. Ok. C'est plutôt facile. Donc on va maintenant rajouter nos bras qui vont s'allonger. Bien, tirez les doigts vers les extérieurs, de jolies lignes. Pense à bien fixer le regard loin devant. On va rajouter hein, une petite étape. Là, ça va, c'est pour nous mettre dedans. Et maintenant, tu vas garder ta jambe droite vers le ciel. On y va, on expire, on la garde. Allez, on essaie de tenir. Souviens-toi, tu présentes le pied qui est au sol. Tu rentres le ventre au maximum. Et de là, tu vas allonger ta jambe et allonger tes bras. Et on réfléchit la jambe, on descend les bras. Tu peux poser l'orteil si tu veux. Donc les orteils, c'est mieux. Et de là, tu expires. C'est ça. Inspire. Expire. Inspire. On commence assez fort ici, puisque tu vas sentir tes épaules, tes hanches, travail du dos. Donc reste concentré, coordonne tes bras avec ta jambe. Voilà, il nous en reste encore 4. On y va, inspire. Expire. Prenez le temps. Dernière fois. Et tout doucement, on relâche. Bien. Relâchez un petit peu. On fait des petits cercles avec nos hanches. Voilà. Donc là, tu passes bien par la rétroversion, par l'antéversion. Donc antéversion, je creuse, j'envoie les fesses derrière. Rétroversion, j'arrondis, pubis vers l'avant. Ouais. Voilà. Puis tu changes de sens. Tranquillement, c'est de la mobilité, tranquillement, encore deux. Et dernière fois, ok, replacez-vous, retrouvez un bassin neutre, réengagez le centre, on repart pour l'autre côté, on inspire, expire. Cette fois-ci, tu décolles ton pied gauche. Allez, on trouve l'équilibre. Voilà, observe comment est réparti le poids du corps dans la jambe qui est au sol. Est-ce que ça te paraît déjà plus facile ou pas? On y est, inspiré. Et expiré, on allonge la jambe et les bras. Allez, on tire. Et reviens. Expire. Super. Donc même l'amplitude de ta jambe, tu vois, elle peut être un tout petit peu plus basse. Tu peux penser à aller un peu plus vers une diago. Okay. Si tu sens que c'est un petit peu trop intense, de ramener la jambe parallèle au sol. On continue. Encore 5 belles répétitions. Expire. Inspire. Expire. Allez, pour 3. Les deux dernières. Dernière fois. Et relâchez. Super. Ça va? Ça réveille au niveau de nos hanches. On va maintenant se mettre au bout du tapis. Donc, ce que je vous propose ici, on fait rouler la balle au bout. On retrouve une posture assise. Donc, vous êtes bien de profil à la maison ou du moins vous avez de la place devant vous.
Ok, allongez les bras. Inspirez, envoyez les fesses vers l'arrière. On vient antéverser le bassin, je creuse le dos. Expirez, rétroversion, pubis vers l'avant. Et à nouveau, on cambre, les pieds restent au sol et on rétroverse. Inspire, expire, rentre le ventre. Voilà, donc tu vois cette bascule du bassin ici qu'on est en train d'installer, c'est ce qui va t'aider pour ce qui va suivre. Donc, grâce à ma bascule du bassin en rétroversion, je vais pouvoir ensuite avancer pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche et m'installer dans une table renversée. Donc là, j'ai ma tête, mes épaules et mon haut du dos sur mon ballon. Je pousse bien les fesses vers le ciel. Et en reprenant l'antéversion, donc j'envoie les fesses vers l'arrière, menton, poitrine, je vais pouvoir revenir. Donc je pousse dans mes pieds et je retrouve l'antéversion. Et on repart. Expire, rétroverse et avance. Tout doucement, contrôle. Reste en haut, inspire. Expire, menton, poitrine, regarde devant toi. Sens tout le dos sur le ballon. Pousse les fesses à l'arrière pour remonter. Un petit peu plus de rythme. Allez, c'est parti, on y va. Expire. Et on remonte. Hop. Tout en fluidité, super. Ça fait du bien, ça, normalement, pour votre dos. C'est comme un petit massage. Allez, pour trois. N'allez pas trop vite. Pour deux. Restez concentrés. Vous savez là où vous allez. Et pensez à bien éloigner les talons des fesses. En ce moment, vous gardez trop les pieds proches des fessiers. Du coup, c'est plus dur. Et dernière fois, on y va. Expire. Ok, on va rester en bas. Ouh, on est bien là. Allez, restez ici. Ne lâchez pas vos fesses. Poussez dans vos pieds. On va joindre nos mains ensemble en prière. Et là, vous allez prier pour ne pas tomber, puisqu'on va twister le buste à droite. Donc regardez, je vais rouler sur mon épaule droite. Je décolle mon omoplate, mon dos, mes hanches, mes genoux n'ont pas bougé. Et je reviens au centre. On y va? Allez, de l'autre côté. Tout doucement, presse ton épaule sur le ballon. Twist dans la taille. Allez, va le chercher ici jusqu'au coude si tu peux. Et reviens. Contrôlez, hein. Si tu vas trop vite, c'est sûr que tu vas peut-être chuter. Voilà, super. T'as bien, je rappelle, la tête, les épaules et le dos sur ton ballon. Hein. Si t'es trop ici, ça va pas marcher. Donc, placez-vous bien et prenez le temps. Allez, expire ici quand tu roules sur ton épaule. Inspire. Expire. Inspire. Ça doit chauffer un petit peu pour les fessiers, l'arrière des cuisses, puisque ça ne bouge pas. Allez, encore quatre. Ouhou. Laisse pas tomber les fessiers. Presse dans tes mains, tends tes bras. Ça chauffe hein, sur cette séance. Deux. Dernière fois, tout le monde. Revenez. Ok, et de là, vous allez relâcher. Posez les fesses, mais regardez, je garde le contact ici avec mon ballon. Oh là là, je suis complètement déshabillée. Ça va? On reste ici un petit temps. Voilà, faites une petite pause. Ce qui va suivre, c'est toujours un travail au niveau de la chaîne postérieure, donc des relevés de bassin. Pareil, le but, c'est de chauffer les fessiers, les ischios et le bas du dos. On y va, on y retourne, on a fait la petite pause. Pressez dans vos pieds. Reposez la tête, les épaules, le dos. On y est, très très bien. Prenez le temps de vous installer ici. Vous allez tirer les bras à nouveau vers le ciel.
Et de là, on va descendre les fessiers. Je décolle ma tête, je décolle mes épaules et je pousse. J'inspire et j'expire. Sinon, tu peux mettre les mains ici sur tes épaules. Mais ce n'est pas juste ça. Vous voyez, je décolle vraiment ma tête, je décolle mes épaules, je regarde à l'avant et je pousse dans les pieds, je remonte en un seul bloc. Et c'est inspire. Expire. Inspire. C'est ton corps qui bouge, hein, pas le ballon. Hein. C'est ça. Continuez. Au plus vos talons sont loin des fessiers, au plus c'est intense pour les ischios. Donc, si vous voulez jouer sur ça, allez-y, avancez encore un petit peu plus les pieds. Allez, très très bien. Stabilisez votre corps. Continuez, respirez. Allez, encore 6 ensemble. Inspire. Expire. Serre dans les fessiers à la montée. Allez, pour 4. Très bien, 3. 2. Dernière fois, on reste en haut. Expire. Allez, on reste, on reste, on reste. Serre dans les fessiers. Ouvrez les bras. Petit challenge ici. On est sur un pilate avancé. Donc, normalement, on peut essayer de trouver son équilibre sur un pied. Allez, essaie. Même si ça bouge. Et change de côté. Presse tes épaules, tes omoplates dans le ballon. Hop, on pousse et on décolle. Fixe ton regard. Allez, ça tient ou pas à la maison? Ne trichez pas, hein, ne touchez pas le sol. 4, 3, 2, 1. Reposez et remontez. On remonte, on remonte, on remonte. Allez, pousse, 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 pousse. Reviens avec moi. Et relâchez. Ça va? C'est pas de tout repos, hein? Allez, buvez un petit peu, on continue. Hop là. On va se mettre debout pour la suite. Très bien. Donc de là, je vous proposais de vous mettre un petit peu en dehors de votre tapis. Voilà, pour être bien ancré, bien stable. Placez le ballon devant vous, les pieds largeur du bassin. Et de là, vous fléchissez vos genoux pour qu'ils puissent vraiment se déposer facilement sur le ballon. Normalement, si je lâche, là, mon ballon il tient. Ça va? On garde les genoux au contact du gym ball. Et vous allez poser vos mains. Donc les mains en dessous des épaules. Normalement, j'ai un dos plat. Donc, oubliez ça. Ouvrez la poitrine. Serrez les omoplates. Absorbez le nombril. Et de là, vous gardez le genou gauche au contact du ballon. Et on vient, hop, ramener la jambe droite à l'arrière. Toujours genou gauche au ballon. Vous y êtes? Parfait. Inspirez. Et à l'expire, on vient décoller la jambe droite. J'inspire, elle redescend. J'expire, ça décolle. Donc ici, fixez le regard vers le sol. Très bon exercice, ça renforce aussi vos chevilles, vos genoux, vos hanches. Toujours ce travail de stabilité. Et pensez ici à ne pas trop presser vos mains contre le ballon, au contraire. Et essayez d'être un petit peu plus léger ici sur vos mains. Vous êtes peut-être même capable ici de faire cet exercice sans les mains. Vous voyez, j'ai pas besoin de presser mon ballon. Donc là, ça chauffe très très vite pour la jambe d'appui. Petit moyen fessier, c'est normal. Vous restez avec moi, encore 5. Allez, soufflez, 4. Gardez votre équilibre, 3. Très très bien, 2.
Et la dernière, vous allez rester. Allez, on maintient. Tu gardes la main droite sur ton ballon et tu allonges le bras gauche. Donc là, bras et jambes en opposition. Ça tient, ça tient, ça tient. Et si tu sens que tu es en forme, regarde, je décolle l'autre main. J'ai juste mon genou sur le ballon. Là, ça chauffe, ça brûle. Allez, on essaie. 5, 4, 3, 2, 1. Reposez. Vous n'avez pas perdu un fessier en route, là? Ah, parce que moi, oui. Hein. On se dandine, on relâche. C'est vraiment bien exécuté. Vous devez le sentir, hein. Ça chauffe très, très vite. On a deux jambes, je ne vous apprends rien, bien évidemment. Donc, on est parti. L'autre côté. Allez, tenez bon. Enfin, tenez bon, on n'a même pas encore commencé, mais soyez prêts, du moins. Donc, posez vos genoux, vos mains. Oubliez le dos rond. On allonge, on crée de l'espace. On aspire le nombril vers la colonne. Et cette fois-ci, c'est ta jambe gauche qui va derrière. Vous y êtes. Le ballon est stable. Inspirez. Expirez. On redépose. Voilà, toujours lentement, même sur votre descente, n'accélérez pas. Je prends le temps de monter la jambe bien active, je prends le temps de la redescendre. Super, toujours au rythme de votre respiration. Très bien. Allez, 5. Vous savez ce qui vous attend hein, pour après. 4. Souviens-toi, soulage un petit peu tes poignets. 3. Deux. Et on reste. Allez, tu tiens. Ton genou est bien appuyé sur le ballon. Tu allonges le bras opposé à ta jambe. Allez, tire, 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 tire. Et là, si tu le sens, hop, l'autre bras. J'ai que mon genou en contact sur le gymball. Et tu tiens. Allez, ça brûle, je sais, mais tu restes avec moi. 5, 4, 3. Tu n'as rien vu à la maison. 2, dernière seconde. 1, et relâchez. Mon ballon n'a plus voulu, lui. Il est parti. Ça va? Ouh, relâchez. Dandinez-vous un petit peu. On viendra étirer tout ça à la fin. J'espère que tout va bien. Hydratez-vous. Mettez-vous sur le ventre, sur votre petit ballon. Hop là. Allez, on va venir travailler l'exercice du swan dive qui se fait habituellement sur le tapis pour renforcer les lombaires. Donc pour ça, tu vas venir largement écarter tes pieds. Donc plus large que ton tapis. Et je viens déposer mes hanches et mon ventre sur le ballon. Ok. Tes épaules et ta poitrine sont dans le vide. Si tu es là, ça ne va pas marcher. Donc poitrine, épaules dans le vide. Très bien. On relâche tout. Ça permet de faire un petit câlin au ballon ici, de détendre un petit peu ton dos, de masser ton ventre. Ok. On va réengager son ventre. Alors je sais que là, ce n'est pas évident. L'impression un peu d'être totalement écrasé sur son ballon, mais tu y penses, tu absorbes, tu rentres le ventre au maximum. Serre les fessiers. Viens tirer tes bras comme deux belles ailes. Tu es prêt à t'envoler. Enroule les épaules, serre les omoplates. Et là, relâche la tête. Viens ramener le menton vers la poitrine. Bien crocheté ici hein, dans les orteils. On inspire. Et à l'expire, on ouvre la poitrine. Serre dans le haut du dos et on redescend en un seul bloc. Inspire, expire. Inspire. Donc juste ton buste ici, tu sens les lombaires qui travaillent. Si ça bouge trop, si tu sens que tu es en train de patiner, mets-toi contre un mur. Tu peux très bien aussi bloquer tes pieds contre un mur à la maison, au moins tu es sûr. Et là, tu peux travailler tes petits relevés de buste. Mets-toi un peu plus confort. Regarde toujours le sol. Évite
ça, sinon tu vas casser tes cervicales. Donc, menton, poitrine toujours. Allez, souffle bien chaque fois. Si tu souhaites mettre les mains ici, hein, au niveau des cervicales, tu peux également. Mais les bras derrière, ça t'aide parfois à te tirer un petit peu plus. Allez, encore. 5. Même si ça décolle pas très très haut, c'est OK. Pour 4. Et dernière fois, on reste en haut. Allez, on maintient, on maintient, on maintient. Serre dans les omoplates. Ouvre la poitrine. Allonge bien la nuque. 5, 4, 3, 2. Dernière seconde, 1. Et expirez, relâchez. Très bien, ici, hop, on dépose les genoux. Ah, fessiers sur les talons. Les bras sur le ballon et viens étirer ici le dos. On relâche. Laisse complètement tomber la tête. Et tout doucement dérouler. Super, bien. On va se mettre sur le côté droit. On s'allonge. Et on vient mettre le ballon entre nos petits pieds. Allongez le bras droit, la tête dessus. Prenez le temps ici pour votre installation de bien amener le ballon au niveau des tibias. D'être bien sur une seule et même ligne. Voilà. Super. La tête sur votre bras. Un petit instant, vous sentez déjà que le ballon vous emmène peut-être un peu vers l'arrière. Donc, c'est signe qu'il va falloir bien, bien engager votre ventre. Donc, je compte sur vous. Dès le début, c'est nombril vers la colonne. On serre les fesses. Tout le corps est engagé. Inspirez, parce que là, ça va être un petit peu intense. Expirez. On décolle les pieds. Allez, on redescend, on inspire. Expire, on décolle. Inspire, expire, inspire et expire. Très bien. Donc là, tu vas sentir le travail aussi au niveau des adducteurs. Travail au niveau des obliques. Gère ton amplitude, t'es pas obligé d'aller très très haut. Voilà. Et ça, respirez. Allez, je sais que ça commence à bien, bien, bien chauffer, surtout pour la jambe du dessous. C'est normal, on continue. Gardez cette belle énergie. Si pour l'équilibre, vous sentez que c'est assez facile, pourquoi pas mettre le bras le long du corps? On enlève un appui. On voit comment ça se passe. Parce que c'est toujours gainé, solide. Allez, les 6 dernières. Courage, 5. 4. 2. Dernière fois, on reste. Allez, restez, restez, restez. C'est dur pour moi aussi, donc on le fait ensemble. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Restez là, c'est pas fini. Relâchez un petit peu. On va travailler un gainage latéral. Donc de là, on va juste se redresser. Poser notre coude sur le tapis et on va essayer de décoller ses petites fesses. Donc, coude en dessous de l'épaule, votre petit triangle, mettez la main au sol pour démarrer.
On y va, on y croit, on rassemble toute la force dans le centre, on inspire et on expire, on pousse. Et on décolle. Allez, décolle, 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 pousse, 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 pousse. Et si ça va, ouvrez le bras. Allez, on tient, on tient. Je sais, ça tremble, c'est dur. On est ensemble, utilise le centre, le mental. Monte tes hanches. Et presse tes pieds vers le gymball. Voilà, super. Voilà, c'est facile, 10. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Un grand bravo, relâchez. Tout doucement, on descend. Ça va? Ouais. Gardez votre ballon entre vos pieds. J'ai une transition super marrante, regardez. Hop, et on change de côté. Enfin, presque. Allez-y, essayez à la maison. Voilà, vous y êtes. On est installé. Parfait. Prenez le temps. Retrouvez ici le bras qui s'allonge, la tête. Bon, je ne suis plus tout à fait droite à la maison. J'espère que ça va pour vous. Voilà, on y est. On prend le temps de se réinstaller. Inspirez. Expirez. Tranquillement. Même travail ici. Allez, vous travaillez très bien. Continuez. Vous savez, ici, après, on va travailler nos abdominaux. Aussi du gainage sur notre ballon, toujours pour travailler notre stabilité. C'est un très bon exercice avec le gymball, le gainage. Vous allez voir, c'est très intense, ça chauffe bien. Allez, encore 6. Montez à chaque fois un petit peu plus haut. Décollez au moins le tibia, le genou. Super. Allez, encore, encore, encore. On est sur les trois dernières. Expire. Pour deux. Allez, jusqu'au bout. Dernière. On reste. Petite photo. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Restez ici un petit temps. Et on y va, on se redresse, repoussez, placez-vous sur votre coude, vérifiez que vous êtes bien aligné, si vos pieds sont forcément un peu trop vers l'arrière, ce sera un petit peu plus challengeant pour vous au niveau de l'équilibre. On donne tout, inspire, expire, pousse au début avec ta main, on décolle le bassin. Et si tu le sens, on y va, on ouvre le bras, on monte, ses hanches. Très bien, on est stable. Presque confortable. Allez, tenez bon, tenez bon. N'oubliez pas le sourire, ça passe mieux avec. Allez, 10 petites secondes encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très, très bien. Bravo! Prenez un petit temps, hydratez-vous, c'est bien. Je sais que c'est assez intense, c'est un petit peu chaud. On va s'allonger sur le dos pour la suite, mais prends le temps de boire et de me rejoindre. Comme je t'ai dit, on va travailler la sangle abdominale avec notre ballon, bien évidemment. Donc pareil, vous sentez que ça amène du poids en plus. Donc soyez vigilants à chaque fois, comme je vous le dis, sur votre dos, surtout là, ce qu'on va faire ensemble. Les jambes qui descendent plus le ballon, un petit peu plus challengeant. Allez. Installez-vous. Trouvez ici votre placement pilates, les pieds
Appe la largeur du bassin. Trouvez le centrage. La rétroversion du bassin pour imprimer les lombaires sur le sol. Très, très bien. Ok. Et de là, on va venir placer le ballon entre les mains. Les bras sont tendus. On inspire. Et à l'expire, on va décoller pied droit, pied gauche. Voilà. Donc, tu es dans une chaise renversée. Super. Et tu vas reposer le ballon ici, mais au niveau de tes genoux. Alors, pas sur tes genoux, hein, mais un tout petit peu plus bas. Et déjà là, tu dois sentir le gainage, d'accord? Pour maintenir ton bas du dos au sol, tu es obligé de contracter ici la sangle abdominale. Tes bras sont tendus. Et on va venir faire le single leg stretch. Donc là, single leg stretch, je vais allonger la jambe droite et je reviens. J'allonge jambe gauche et je reviens. J'inspire et j'expire. Donc, tu sens aussi que le ballon, ça te force à garder ton alignement genou-hanche, parce que parfois, vous êtes plutôt là, d'accord? Tu dois toujours, quand tu reviens, sentir ton genou, hop, au contact du gymball, et tu t'arrêtes là. On allonge et on ramène. Préservez le bas du dos, souvenez-vous, ça ne doit pas cambrer, décoller. On stabilise, sinon regarde, hop, tu descends un petit peu moins. Va chercher une diagonale. Tout va bien, vous restez avec moi, vous respirez. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, je vais te proposer d'ajouter les bras. Quand tu allonges ta jambe droite, tu allonges le bras gauche. Et j'alterne. Beaucoup plus intense. Allez, 6, tenez bon, 5, 4, faites pas comme moi si je perds ma balle. Allez, 3, 2, c'est la dernière, allez jusqu'au bout, restez concentrés. Et avant de relâcher, espacez les jambes, mettez le ballon et posez vos pieds. On ne peut pas poser les pieds, ne posez pas les pieds. Gardez les genoux à hauteur de vos hanches, bras le long du corps. Allez, on continue. Travaille sur les adducteurs ici. C'est le moment un petit peu fun de la séance. Peut-être que là, le ballon va peut-être sortir du cadre à la maison. Vérifiez qu'il n'y ait pas trop d'objets autour de vous. On va allonger les jambes. Et remontez un petit peu le ballon. Je sais, ça chauffe déjà. Vous êtes peut-être déjà là, ça tremble. Alors, pliez un petit peu les genoux. Respire. Si ça va, t'es avec moi, jambes tendues. Regarde, tu vas ouvrir les jambes. Donc forcément, ton ballon, il va tomber. Tu le rattrapes. Hop. Et quand tu vas lancer ton ballon, tu vas devoir refermer tes jambes. Ouais. J'ouvre, je rattrape. Je lance, je ferme. J'ouvre, je ferme. J'ouvre. Je ferme. Allez, c'est parti, le moment fun et ludique, c'est maintenant. Alors, tu dois bien presser ton ballon, hein, sans tes adducteurs. Ouhou, ça brûle. Lance bien vers le haut, pas vers l'avant, tu perds ton petit ballon. Allez, souffle. Ouhou, allez, 6. 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. Bravo. Genoux l'un contre l'autre. T'étendez un petit peu. Pas totalement fini ici, on va replacer le ballon entre les genoux ou les chevilles et reprendre un petit exercice pour la sangle abdominale. Très bien. Inspirez, expirez, décollez les pieds, placez le ballon soit entre les genoux ou entre vos chevilles. Bras le long du corps,
Le bas du dos est bien sur le tapis, très important ici, puisque là, à l'inspire, tu vas descendre les jambes. Et à l'expire, tu vas remonter. Donc j'inspire, je descends, sans lâcher dans le bas du dos. J'expire, je remonte. Option un petit peu plus intense, jambes tendues, bien évidemment. Presse ton ballon pour ne pas le faire tomber. Donc tu peux rester sur ça ou sur ça. Si tu veux aller un peu plus loin, on va rajouter un petit truc. Quand tu remontes, tu attrapes ton ballon. Tu le passes derrière la tête, tes jambes descendent. Et hop, tu le récupères entre les pieds. Et tu descends. Et hop, entre les mains. Ça va ça? Un petit peu de coordination. Après, une fois que vous l'avez, on y est. Le dos ne décolle jamais. Si ça va, jambes tendues. Allez, gardez la respire et à tout moment, vous pouvez prendre l'option avec les genoux fléchis. Hein. Et si ce n'est pas OK, gardez juste les jambes, sans les bras, comme on a fait juste avant. Vous êtes sur les trois dernières. Expire. Inspire. Expire. Prends le temps. Dernière fois, tout le monde. Remontez. Et bravo, relâchez. Allongez vos jambes, restez ici un petit instant. C'est très bien. On va se redresser. Et comme promis, on va passer au travail de gainage. Donc là, on va se positionner les coudes sur le ballon. Vous allez avoir la possibilité de garder soit les genoux au sol, soit d'en décoller un, ou soit de venir complètement sur les pointes de pied. On va faire tout ça étape par étape. Donc placez votre ballon devant vous à la maison. Placez vos coudes. Donc soit vous pouvez entrelacer les mains ici, ou alors rajouter un appui, vous mettez les mains sur le gymball. Espacez, enfin éloignez plutôt les genoux de votre gymball. Et de là, faites d'abord une antéversion, fessiers vers l'arrière, et faites l'inverse, rétroversion. Et vous gardez ça, d'accord, même durant votre gainage. On croche les orteils, on inspire, on expire, tu vas peut-être tendre une jambe, et si tu le sens, on décolle l'autre. Et c'est parti. Donc là, ça tremble, là, ça bouge. Presse tes coudes dans le ballon. Monte pas tes fesses pour compenser. Reste bien bas. Et pense à la rétroversion du bassin encore et toujours. Les ballons qui poussent, les ballons, les pieds qui poussent le mur. Ça fait perdre la tête, le gainage. Allez, allez, encore 30 secondes. Hein. Respirez. Un peu chaud hein, sur cette séance. Allez, ça chauffe les épaules, les abdos. Respirez, respirez, tout va bien. À tout moment, tu poses un genou, mais tu ne lâches pas. Allez, 10 secondes. On tient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez, relâchez. Bravo. Ok, éloignez le ballon, gardez les mains dessus comme tout à l'heure. Ventre sur cuisse, relâchez la tête. Bravo, bravo. C'est une séance bien intense. Vous avez mérité ici vos étirements. Donc en restant dans cette position, tu vas juste amener le ballon sur un côté. Tu le fais rouler complètement sur un côté pour sentir l'étirement au niveau de la taille et du dos.
Et tu relâches à nouveau la tête. 5 belles respirations. Et change tout doucement de côté. Presse bien les mains dans ton ballon. Et tout doucement, revenez. Bien, allongez-vous sur le dos. On va prendre notre ballon qui va nous servir ici. Vous posez vos pieds dessus. Voilà, super. Là, on est bien. Balancez-vous un petit peu ici de droite à gauche. Relâchez les bras le long du corps. Vous pouvez bâiller hein, si vous le souhaitez. Stabilisez ici vos jambes et amenez la jambe droite vers le ciel. Imaginez que vous repoussez le plafond. Entrelacez. Cherchez cuisse, genou, mollet, cheville. Et en soufflant, vous rapprochez doucement la cuisse du ventre. Vous gardez la même jambe, vous rapprochez le ballon vers vous ici. Hop, donc vous sentez le ballon connecté à votre fesse et vous allez poser cette cheville sur votre cuisse. Voilà, vous poussez le genou avec votre main pour stretcher vos fessiers. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez attraper l'arrière de la cuisse. Et puis tout doucement, on change de jambe, allongez vers le ciel, inspirez. Et expirez, on stretch. Étirez maintenant le fessier, rapprochez le ballon, cheville sur la cuisse, soit tu pousses le genou, soit tu attrapes la cuisse, le genou. Tout doucement, tu reviens. Tu vas garder ici, hop, les mollets, les cuisses sur ton ballon. Ouvrir tes bras en croix et relâcher sur un côté. Donc, tu vas poser une jambe, tu vas garder l'autre sur ton ballon. Garde la tête à l'opposé des genoux si ça va. Détends dans le bas du dos, dans la taille. Et reviens tout doucement au centre. Et fais la même chose de l'autre côté. Revenez au centre. Bien. Tout doucement, on va se redresser. Hop. Tu peux t'aider ici de ton ballon si tu souhaites. Voilà, prendre un petit temps. J'espère que ça s'est bien passé. En tout cas, on a eu un petit peu chaud sur cette séance.
Laissez-moi un petit commentaire pour savoir si vous avez aimé ou pas. Et on se retrouve très vite sur d'autres séances. Merci à vous.